Togo Info, le Togo à votre portée. Deuxième remarque, j'ai assisté à un symposium organisé par Togo Debout il y a quelque temps où il était question de fédérer les stratégies et les moyens. Ça m'a énormément séduit et je l'ai gardé dans mon esprit. Je crois que cette matin, je n'entends plus parler beaucoup de stratégie, mais je pense que c'est très nécessaire. Il faut fédérer, n'est-ce pas, non seulement les moyens, mais je dirais même avant les stratégies. Et c'est comme ça qu'on peut se comprendre. J'ai pour décrire, pour présenter la situation de notre pays, deux images. La première est la suivante. Le 27 avril 1960, est né un train nouveau qu'on a baptisé Togo. Ce train fonctionne et pour des raisons que je passe sous silence pour gagner, ne pas perdre trop de temps justement, le 13 janvier 1963, des bandits de grand chemin avec des roquettes puissantes s'attaque à ce train, déraille le train qui est couché sur un flanc. Et le train gît toujours sur ce flanc-là. Si nous voulons qu'il redémarre, quelle est la première chose qu'il faut faire? Quelle est la chose indispensable, incontournable qu'il faut faire? Il faut le remettre sur ses rails. C'est ça que nous comprenons par les réformes constitutionnelles, institutionnelle, n'est-ce pas, et électorale, etc., etc. Tant que nous n'aurons pas fait ces réformes, eh bien, notre Togo sera sur ce flanc-là.